historique, celui de Lamine Diaby Fadiga. Premier match de la saison après une déchirure à la cuisse. Il peut beaucoup apporter au Paris FC. Le Paris FC à l'attaque pour aller marquer ce premier but. L'accélération de Lamine Diaby Fadiga. Il s'est arrêté à une rechute peut-être. Ouais. Dur, dur, dur. T'as coupé vite ? Ouais, j'ai coupé vite parce que c'est... pas beau à voir, on va dire. Même après 6 mois, ça fait chier de revoir ces images, donc vrai dur. Premier sentiment, je pense qu'il n'y en a pas eu qu'un seul. Il y a eu de la tristesse, de la peine et de la rage, de la colère. La tristesse parce que je me dis déjà que j'avais déjà été blessé et que là je rechute en gros, donc triste. Et de la peine parce que je voulais trop jouer au foot. Oui, je crois qu'on a tous conscience que ça va durer un moment et qu'il n'a pas de chance parce qu'il a eu un petit incident dans sa carrière de jeune joueur talentueux. On l'a pris sous notre aile dans le club dès qu'il est arrivé. Et puis on continuait à le faire et on voyait bien qu'il avait un talent fou. Et après sa petite blessure de début de saison, au bout de 10 minutes, sortir du terrain comme ça, dépité, et même un peu plus que dépité, on a bien compris que c'était sérieux, que c'était grave. Et malheureusement, la suite nous a donné raison. En larmes, hein. Ouais, je pleure. Je pleure rarement, moi, attention. Et là, j'ai craqué, on va dire. J'ai craqué, hein. Tu craques très rarement. Je vais pas faire le dur à cuire, mais... Craquer devant les gens, déjà, pour moi, c'est impossible. Mais là, si j'ai vraiment craqué devant les gens, à la preuve, je me suis caché parce que je pouvais pas montrer ça aux autres. Mais là, j'étais obligé, c'était plus fort que moi, mais j'étais obligé de craquer. Hein. C'était plus fort que moi sur ce coup-là. Comment ça va ? En forme ? Ouais, toi ? Bah ouais. Alors Lamine s'est fait une rupture totale d'un des tendons des ischio-jambiers. Il s'est fait ça sur une accélération. Il faut savoir que la pathologie du footballeur, c'est la lésion musculaire au niveau des ischio-jambiers. Par contre, dès qu'il y a une atteinte du tendon et surtout une rupture, les délais seront beaucoup plus longs. Les mécanismes de blessure sont sur des accélérations ou sur des frappes. Donc comme ça a été le cas pour Lamine sur son accélération contre Nancy. Hein ? Mais quand je sors du terrain, je me dis ça va durer 2-3 semaines parce que ça m'a fait moins mal en fait sur le coup. Donc je me dis bon ça fait chier, je rechute, mais ça m'a fait moins mal. Du coup je me dis 2-3 semaines, ensuite le diagnostic il tombe. Je vais voir le chirurgien, je fais les IRM et il me dit c'est une longue blessure. Donc moi longue blessure, que j'ai jamais eu vraiment de longue blessure. Je lui dis quoi, 2-3 mois. Il me dit non, c'est 5-6 mois, voire 7 mois si ça se passe pas bien. Donc ouais, là c'est la deuxième rechute, on va dire, dans le bureau du chirurgien. Après toute blessure, on est tout au début, on est dans une forme de déni. On est un peu effondré, pourquoi ça tombe sur nous, il y a beaucoup de remises en question. Et puis après, au fur et à mesure, il a accepté la situation, et on a vu les meilleurs chirurgiens. Et comme ça, c'est comme ça lui a permis de valider le diagnostic. Il a accepté le diagnostic et c'est ensuite qu'il a pu, avec son esprit vraiment combattant, de reprendre ses forces pour ensuite bien commencer à travailler juste après son opération. Force les frérots. Ça c'est quand je suis revenu de mon opération. Je suis revenu au centre pour saluer les potos. Tu te rappelles de comment tu te sentais psychologiquement à ce moment-là ou pas? Pas bien je pense. Hein. Non, j'étais pas trop bien, j'étais pas... Après ça allait mieux que quand je suis sorti du match contre Nancy.
parce que j'ai pu parler avec mon père, ma famille, donc ça allait un petit peu mieux, mais j'étais pas au max quand même. Cette vraie pépite, parce que tout le monde reconnaît qu'il a un talent fou, n'a pas de chance. Il y a eu les problèmes de la vie, hein. Ça peut arriver à n'importe quel jeune de faire des choses qu'on regrette ensuite. Mais après ce pépin physique lourd de conséquences, c'était un peu trop quoi, pour lui. Et on a tous immédiatement envie de l'aider. Okay. Ça va quoi? Ça fait plaisir là. Tu connais, hein, tu n'es pas bien en ce moment. Bosseur. J'ai reçu beaucoup de soutien. Ça m'a fait plaisir, ça m'a aidé. Ça m'a aidé mentalement, je pense, même physiquement, parce que je me dis, il faut que je revienne pour eux. Donc ça m'a aidé, ouais. Le président, tout le monde, Fred Hébert, Fabrice, Héros, tout le monde, les joueurs, tout le staff. Et ouais, ça m'a aidé beaucoup. Ça servait à maintenir tout simplement, pas que j'aille au bout comme ça. La cicatrice, ça cicatrise bien, tu vois. Donc là, on va l'enlever en direct live, en DJ. Je crois qu'on était à 5 semaines. J'enlève enfin la telle. Pur plaisir. Hein. Je vais pouvoir enfin marcher normalement. Donc ouais, pur plaisir. Puis même on te sent beaucoup plus jovial, joyeux. Ouais, parce qu'en fait, je prenais étape par étape. Parce que si tu te dis, ouais, 6 mois, comme il a dit chirurgien, tu vois, mentalement c'est trop dur. Donc il fallait que je prenne semaine par semaine, comme je l'ai fait là. Semaine par semaine et ça va, ça passe plus vite, je pense. Bon, c'est fini, terminé, nickel. On avance, un bon point, frérot. Allez frère, force. Hein. Simer frérot, on est ensemble. Hervé. On est ensemble, ouais. Frérot, plus courage. Merci. Tu vois pas? C'est un bébé ça maintenant. Faut le reformer. J'ai perdu je crois 10 à 15 cm. Ma cuisse elle était toute molle. Donc ça m'a fait peur. Après, j'ai mon frère, comme c'est un coach sportif, il s'y connaît un peu mieux que moi. Il m'a dit que c'était normal. Donc voilà. T'as eu peur? Ouais, j'ai eu peur. Je me suis dit, je vais jamais retrouver ma cuisse. Elle était toute molle et j'avais plus rien, plus de force. Donc ouais, j'avais peur. Tu pars pour Saint-Raphaël. Ouais. Au final, pas très loin de Cannes. Ouais. Ce qui te permet du coup d'être chez tes parents. Ouais, ce qui me permet de rester encore plus proche de la famille. Parce que Saint-Raphaël, c'est à 30 minutes de chez moi. Je suis resté un bon bout de temps là-bas. J'ai beaucoup progressé là-bas. J'ai repris du muscle, de la confiance. Donc ouais, c'était bien. C'était vraiment pas objectif foot ou quoi. Ah là, j'étais à 2 mois et demi, je crois. 3 mois. Ouais, c'était vraiment reprendre du muscle. Reprendre de la confiance pour marcher, pour courir. Ça, c'est des étapes qu'il faut passer aussi. Hein. C'est dur, hein. Bien réveillé. J'ai rêvé, pas le choix. Hein. Pas trop le choix. Hein. Tu déconnectes un petit peu du monde du foot finalement et tu te reconnectes avec un monde différent où tu côtoies des militaires qui sont blessés, des basketteurs amateurs qui se sont cassés la jambe. Au final,
tu découvres d'autres personnes. Ouais, c'était important pour moi de m'ouvrir à d'autres personnes. Parce que depuis petit, en vrai, j'ai jamais côtoyé des militaires, des basketteurs. Donc ouais, ça m'a fait plaisir. Ouais, t'apprends beaucoup. Hein. En tant que kiné, c'est frustrant de voir un blessé partir, parce qu'on aimerait surtout occuper du jour J, enfin du J0 jusqu'à sa reprise terrain. Mais sa prise en charge est vraiment idéale, parce qu'il était pris en charge du matin jusqu'au soir, avec des outils qu'on n'a pas forcément au club. Et c'est partir du milieu sportif, partir du centre, ça permet vraiment de se concentrer sur sa rééducation, sur son retour dans le groupe. Ce qui est bien, c'est que avec des pompiers, des mecs de l'armée, t'es obligé de bosser en fait. Te mettre dedans. Pause. Tu es venu, tranquille. Tu vois, c'est pas un bosseur, il me dit pause. Pas de pause. Frère. T'es super bien encadré à Saint-Raphaël, ouais, notamment ouais. Avec ton kiné qui te suivait tout le temps. Marien, ouais, très professionnel, très très professionnel, et je pense qu'il m'a beaucoup beaucoup aidé. Ma reprise sur le terrain, il m'a beaucoup beaucoup aidé, c'est parti grâce à lui, et je le remercie pour ça. Tu sens comment là? Globalement, son muscle, il réagit très bien. Il y avait pas mal de compensations quand même à gauche au départ, mais dû à son appréhension. Et ça passe de plus en plus, même sur l'étirement. Au début, même là, ça tirait pas encore, mais ça tirait dans sa tête. Là, on va le chercher facilement. Ce que je te disais, mentalement, il arrivait avec beaucoup d'appréhension sur sa blessure. Le fait que ce soit suite aussi à une récidive de déchirure. Peut-être pris un peu trop tôt. Ça, c'est facile à dire maintenant, mais voilà, là, il y avait quand même une appréhension à reprendre trop vite et à refaire confiance à sa contraction musculaire. Mais ta tête sent direct l'Espagne.
Ouais, et puis après Saint-Raphaël, il y a le retour à Paris. Ça a été une période très intense au niveau du travail, avec et Stéphane et Jeannot. Ouais, d'abord Stéphane, parce que Jeannot, ça a commencé après, la réathlée. D'abord avec Stéphane en salle, muscu, en renforce, hein, y a que ça, y avait que ça à faire de toute façon. Et après Jeannot, ouais, Jeannot, il m'a bien poussé. Hein. Des courses, des renforcements aussi avec lui, et ouais, ils m'ont aidé. Ouais. Ils m'ont tué, mais ils m'ont aidé. J'arrive en rouge, bête, pourquoi tu rouges pète? Real man dans jazz, pas dans coup de traite. Dans les coudes d'un soir et les coups de tête. Tu m'écoutes tête, qui peut dire que je suis un viner? Parce que je rappe meilleur et je vanne mieux. Je suis un peu comme Neher en L2, bac STM, j'ai plus d'avenir que en L2. C'est ça, bien le but, je cours et je tire. Je suis un fou débile, je m'en viens, je tape des passes sur du Billy Jean. C'est v'là les chiens, je crois que je suis dans boule et pile. C'est fou les filles, je respecte que c'est le plus dur. Cardio, je veux dire, hein. Parce que le muscle, j'ai bien repris aujourd'hui. Et je crois même qu'elle est plus forte que la gauche. Donc, on va dire que c'était plus le cardio. Ça tape. On t'a vu plusieurs fois énervé, lassé, de rester en dehors, d'être en salle, d'être seul sur le terrain. C'était compliqué quelquefois. Ouais, parce que comme je t'ai dit, de voir les autres s'entraîner et jouer, et moi je peux pas. Mais ça va une semaine, ça va deux semaines, et après tu pètes un peu les plombs, mais bon, moi je revenais de 4 mois, donc je me dis j'ai pas le droit de péter les plombs, pas maintenant, ça sert à rien sinon. Donc ouais, ça me saoulait, j'allais dans mon coin, je boudais, mais après c'était fini. Ah oui, bah c'est sûr, comme je disais, la rééducation n'est pas linéaire, il y a des hauts, des bas. Et faut savoir que quand il y a des bas, bah faut savoir un peu lever le pied, faut plus travailler sur du jeu, plus sur de l'amusement, plutôt que, et vraiment varier toutes les séances pour pas créer une sorte de lassitude. Sinon, les séances, surtout tout au début, on ne peut pas faire grand-chose, donc faut vraiment un peu varier les plaisirs. Tu te rappelles du moment où tu as réchaussé les crampons? Ouais. Je me rappelle, ouais. Ça faisait plaisir, j'ai mis les vissés direct. Direct, j'ai mis les vissés, ouais, ça m'a fait plaisir. Ouais, c'est une dinguerie. Juste mettre des crampons, c'est une dinguerie de ouf. Retour dans le groupe, d'abord par des petits taureaux. Ouais. C'était quelque chose d'incroyable. Mais j'y croyais pas. Je suis arrivé un matin, mercredi, c'était le 15 février, je crois. Et je dis, ouais, Jeannot, c'est quoi la séance aujourd'hui? Je cours. Hein. Non, tu t'entraînes. Comment je m'entraîne? Et là, il me dit, ouais, tu t'entraînes et tout, tu fais taureau. Ok, moi j'étais chaud, j'en parlais à tout le monde. Ah, oh, j'ai repris et tout. Taureau, j'ai mis 2-3 petits ponts et ça allait. Ça fait plaisir de revoir les frérots, ça fait plaisir. Ils m'avaient manqué aussi parce que je parle beaucoup de la famille, tout ça, mais ici aussi c'est une famille parce que, comme tu l'as dit, on est tous les jours ensemble. Donc ça m'a fait plaisir, ils m'avaient manqué. Et j'espère que je vais plus les lâcher. Tu t'es senti directement à l'aise? Non, j'avais des craintes quand même, beaucoup d'appréhension sur les changements de direction. Des petits sprints, beaucoup d'appréhension. Ouais. Je ne vais pas reprendre les mots qu'on connaît tous parce que c'est une pépite, il a de la valeur, il a un talent fou, il est très déterminé. Mais moi, je dirais ce qui m'a surpris dans cette période, plutôt agréablement, c'est qu'il est très attachant. Et que son côté un peu rude, un peu renfermé, parce que quand on rencontre des obstacles comme ça, on a tendance à s'enfermer un petit peu dans sa bulle. C'est pas grand-chose à côté de ce côté très très attachant. Attachant, oui, c'est le mot. Je pense que... Ouais, j'ai payé déjà et
Maintenant, je profite de tout. Que ce soit un entraînement, je profite parce que le foot, ça va trop vite. Et il faut profiter de chaque moment, de chaque entraînement, de chaque jour. Donc, je ne me projette pas non plus parce que je sais que ça va vite dans les deux sens. Donc, je me projette toujours le jour. Entraînement, lendemain, match. Oui, je regrette. Je regrette certaines choses. Mais bon, faut jamais regretter dans la vie. Donc, faut aller de l'avant, assumer ce qu'on a fait. C'est payé. C'est pas qu'il peut devenir, c'est qu'il va devenir. Tout le monde en est convaincu et moi j'en suis totalement convaincu qu'il va éclore et que le talent qu'il a manifesté depuis qu'il est tout petit, hein, parce que dans toutes les classes d'âge, il va être encore plus évident quand il pourra exercer ce talent sur les terrains de Ligue 2 et peut-être assez vite aussi de Ligue 1. On en est tous convaincus. Moi, je pense, grâce à Dieu, que je peux revenir de tout ça. Si je pouvais pas, j'aurais arrêté. Donc je pense que je peux revenir de tout ça et c'est pour ça que je travaille encore plus. Ça va le faire. Puis le club a besoin de lui parce qu'il est dans une phase où tous les talents comptent et celui-là en particulier, comme tous les autres, mais celui-là en particulier parce qu'il est passé par des moments difficiles. Un seul mot comme ça. Le destin. Parce que le foot, c'est le destin. Et même la vie, c'est le destin. Donc ouais, je dirais destin. Thank you.